2016, avec naturellement la commémoration des 15 ans suite à la disparition de Mzé Laurent Désiré Kabila. Ils étaient nombreux, place du Palais de la Nation, pour se rappeler du soldat du peuple. Et on a vu d'ailleurs l'écuménisme qui s'est dégagé ces jours-ci, avec en sus le cardinal qui a été de la partie, et pourquoi pas parler de cet anniversaire avec des journalistes d'une manière patriotique, avec un peu d'analyse naturellement. Deuxième sujet de votre club, c'est la proposition de l'ex-gouverneur de Katanga d'organiser la primaire. La primaire, oui, à l'opposition pour trouver un candidat qui pourra se présenter à la présidentielle au nom de l'ensemble de la population, enfin de l'opposition surtout. On le voit au Gabon, un peu partout, la pluralité des oppositions en Afrique posera problème. Et d'ailleurs, l'accueil est très mitigé. Voici les deux titres et voici le club. Et la majorité a fait semblant comme si... Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne peut pas les traiter? Et après, c'est mal à décider. Oui, pourquoi il n'est pas la même? Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Le club d'aujourd'hui va se faire essentiellement autour de ses 15 ans. Oui, 15 ans passés depuis que Mzé a été assassiné dans son bureau au Palais des Marbres. 15 ans. Effectivement, que le Congolais le pleure tous les jours, en commençant par son fils aussi. On a vu aujourd'hui l'émotion au palais, dans ce mausolée où repose naturellement Mzé Laurent Désiré Kabila. Ils sont venus de partout, les Congolais jeunes, moins jeunes, et même, je dirais, ceux de ses compagnons qui sont encore là. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler de cela en faisant une analyse croisée des journalistes à Kinshasa, ici, Harold Badibanga, qui est... toujours patriote, ça je ne me trompe pas. Oui, oui, le patriotisme dans le sang. Voilà pourquoi même ma tenue prouve que je suis un muséiste. C'est l'une des grandes forces qui nous a laissées. Hein. Je ne condamne pas ceux qui sont en cravate, mais un africaniste, c'est celui qui sort de l'ordinaire en tout pour tuer partout. Et Mais ne vous limitez pas, c'est pas la faire. Ne vous limitez pas. Non, je le suis dans le sang, comme le sang ne se voit pas, il faut l'être aussi par quelques signes. C'est très bien, vous avez été au palais, on en parlera tout à l'heure, lorsque tout le monde était là pour se rappeler de la disparition de Mzé. Demain, ça sera pour 2017, pour se rappeler de Patrice Emery Lumumba. Et un autre patriote qui est très bon journaliste, et d'ailleurs j'étais au Cameroun, j'ai été étonné que beaucoup de vous connaissent là-bas, et vous salue pour votre pugnacité, voilà les termes qu'ils ont utilisés. Merci beaucoup. Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Parfois vos propos ne sont pas à Colombe. Hein? Oui, c'est pourquoi c'est La Colombe et puis les points gauche. Ah bon? Les points gauche équilibre, tu vois La Colombe qui donne des points gauche. Oui. Les points là, c'est point avec G. Donc d'accord. Et John Omomba qui est journaliste indépendant, internationaliste par ailleurs. Hein. Oui, oui, oui. On pourra ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Tout à fait. Parce que les djihadistes sont passés par là et on semble épingler Compaoré qui serait des mèches, mais lui qui est chrétien, je ne vois pas ce qu'il ferait avec les djihadistes. Alors, on revient dans l'actualité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlera, si on a le temps, dans la deuxième partie de l'émission, sur la proposition de l'ex-gouverneur du Katanga, qui aimerait qu'il y ait l'élection primaire à l'opposition pour trouver un candidat qui pourra les rassembler tous à la prochaine élection, alors qu'il n'a pas de parti politique, moins encore une plateforme qui pourrait lui servir de base. Bon, ça, on pourra en parler tout à l'heure, lorsqu'on aura le temps, vers la fin de l'émission. Alors, 15 ans après, comme on l'a titré Harold Badibanga, foule écuménisme autour de Mzé Laurent Désiré Kabila. D'abord foule, parce qu'on pense toujours qu'au deuxième mandat de Joseph Kabila, il devait y avoir moins de monde pour venir saluer la mémoire de son père. Aujourd'hui, c'est carton plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que
les meilleurs hommes de progrès étant ceux qui ont un profond respect pour le passé. Il est démontrable qu'un grand homme de la trempe de Musée, autant d'années après, même des millénaires après, il sera toujours honoré. Pourquoi? Voilà pourquoi nous le disons. C'est parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui avaient une attention soutenue au mausolée devant le palais de la nation, ils se sont certainement rendus compte que le lieu a refoulé du monde. Ça, oui. C'est de un. De deux, malgré la pluie, je pensais que les militants de certains partis politiques qui étaient là, oui, allaient partir. Mais ils sont restés avec nous sous la pluie et il y en a qui chantaient au nom de Musée, nous ne pouvons pas refuser d'être victimes de la pluie. Alors, la grande leçon à tirer au-delà de ce culte qui, du reste, était interreligieux, et j'ai aussi aimé la présence de mon cardinal, Laurent Mossengo Papasignan, c'est pour dire que lorsque l'on vit, surtout quand on est homme d'État, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons léguer à la République après nous. Et ça, Musée a su le faire parce que 15 ans après, toutes ces idées, ne jamais trahir le Congo, l'autoprise en charge et consorts, sont encore et toujours d'actualité, comme si Musée était mort hier. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui ne sait pas qui était Musée, qui il était pour la République démocratique du Congo, qui il était pour la gauche, et qui débarque au Palais de la Nation aujourd'hui, allait se demander si Musée est sur place et on est en train d'organiser ses funérailles, ou il est mort hier. C'est pour dire que ça ne sert à rien, comme il y a eu du raccordement frauduleux à un certain moment. Un président tunisien, si je ne m'abuse pas, il est arrivé ici. Et le fait seulement pour lui d'avoir cité le nom de Lumumba dans un discours, les gens d'une certaine petitesse raisonnementale ont dit non, voilà, il fallait attendre qu'un étranger vienne vous rappeler qu'il faut parler de Patrice Emery Lumumba. Comme si le fait de célébrer Lumumba chaque année, Musée chaque année, rien ne reste de Lumumba dans ce pays. Alors, comme si quand il est venu, quittant l'aéroport international d'Njili, arrivé à l'échangeur de l'illimité, il n'a pas vu le monument de Lumumba. Encore que à côté de ce monument, il y a toute une école. Et je me dis, peut-être qu'il avait déjà oublié qu'il allait dans le pays de Lumumba. Mais quand il a vu ce monument-là, il s'est rappelé qu'il est réellement dans le pays de Lumumba. C'est pour dire que beaucoup reste de Musée aujourd'hui et je suis convaincu que ça ne se fassera pas parce que même après nous, l'histoire de Kimpavita, de Kimbangu, nous, lorsqu'ils ont vécu, nous ne les avons pas connus. Mais c'est parce que c'était des personnes modèles pour la République dont les idées ne peuvent pas vieillir du jour au lendemain, mais qui ne peuvent que s'adapter à la réalité que nous les connaissons. Alors, et donc après nous, même 1000 ans après, oui, ceux qui viendront dans ce pays, après nous, connaîtront Musée Laurent Désiré. Merci bien. Alors, Joachim Diana, est-ce que ces jeunes gens qui aujourd'hui ont parfois 15 ans, à peine 20 ans, qui n'ont pas connu Musée de son vivant, qui n'ont même pas connu la révolution des 17 mai, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Pourquoi on en a vu tout à l'heure en train de chanter, en train de parler, jamais trahir le Congo, tout ça? C'est quoi les soubassements de tout ceci? Oui, tout à fait. Il y a, j'ai toujours combattu la pensée selon laquelle le lumbisme serait un fait historique. C'est-à-dire que ça s'est passé en un temps et c'est fini. Oui, oui. Non, c'est un fait social. C'est ce qu'on dit souvent. Non, c'est un fait social. Lumumba a vécu avec ses idées. Quand Musée n'a encore que 17 ans, 19 ans, il dit à sa maman, on a tué Lumumba, moi je vais devenir un autre Lumumba. Il y a beaucoup de gens, ceux qui étaient autour de lui, ont cru que, je ne sais pas, il sera Lumumba comment, c'est impossible, il ne peut pas incarner Lumumba. Mais on a vu que, exactement, Musée a fait la même chose. Il a poursuivi le combat que Lumumba avait. Mais malheureusement, et contrairement, donc il n'avait plus, contrairement à Lumumba, il n'avait plus devant lui
le colonialisme à combattre. Donc, lorsque vous avez un ennemi déterminé, le combat face à cet ennemi change. Donc, le combat de Mzé, c'était contre maintenant le néocolonialisme, l'impérialisme et la dictature. Il a adapté son combat, donc c'est-à-dire les idées de Lumumba, il les a adaptées pour combattre les fléaux qui étaient dans la société. Aujourd'hui, les gens se posent la question pour dire, est-ce que encore, qu'est-ce qu'on a encore de Lumumbisme? Je crois que Mzé a comme pensée pour lui, une chose très importante, souvent on ne souligne pas, il disait, dans tout ce que vous entreprenez, agissez dans le temps logique. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps chronologique. Les gens qui se disent, il est midi, il est 14 heures, c'est le soir, demain, lundi, mardi, mercredi. Donc, ils chronologuent. Toutes leurs actions, c'est dans le temps chronologique. Oui. Mais Mzé, lui, c'est le temps logique. Le temps logique, c'est quoi? Vous déterminez un objectif à atteindre. Vous dites, je dois amener le Congo à l'émergence, comme l'a dit Joseph Kabila. Et quel que soit le temps que ça prendra, mais pourvu que vous restiez sur cette voie-là. Vous savez, il a réalisé ce temps-là. Il est resté dans les maquis autant de fois, on l'oubliait même parfois, et puis après, il a atteint son objectif. Et quand vous regardez Joseph Kabila dans sa façon d'agir, les gens se disent, mais il y a longtemps qu'il a programmé les dialogues. Oui. Il l'a programmé. Oh, mais il y a longtemps qu'il a promis les consultations nationales, mais les résolutions... Il le prend sur... Et ça, c'est vraiment travailler comme vous êtes dans le temps logique. C'est-à-dire, vous avez l'objectif, vous polissez, vous tournez dans tous les sens. Comment? L'essentiel est que vous puissiez... C'est une question de constance. Constance et de détermination, donc, pour arriver à un but. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi... Harold l'a dit ici, vous avez posé la question, pourquoi aujourd'hui il y avait tel engouement? Oui, on pensait fin de règne, on pouvait dire les idées sont obsolètes, voilà. C'est fini, et la révolution, on doit l'oublier. Il y a peut-être ce que le pasteur Mogalo a dit, oui. Il faut que les grandes personnes, pour les grandes, pour élever les grands esprits, oui. Comme vous. Et aujourd'hui, tous les grands esprits se sont retrouvés là. Ils étaient là. Et c'est la première fois que l'archevêque de Kinshasa participe. Alors, quelle est la signification de la... Or, de... il y a un principe, oui. Pour les catholiques. Là où il y a les kimbanguistes dans une histoire d'écuménisme, ils ne vont pas. Ah bon? Tout à fait, parce qu'ils ont exclu les kimbanguistes de l'écuménisme parce qu'ils ont quelqu'un qui s'est proclamé Saint-Esprit. Donc, mais aujourd'hui, les catholiques ont cassé ce sacro-saint principe pour être à cette messe interreligieuse. Oui, mais c'est une première quand même. C'est une première. Oui. Alors, je me dis que cette première, c'est parce qu'en fait, les gens se rappellent maintenant. Nous avons un autre Mzé, un autre. Supposons que les chrétiens trouveraient un autre Jésus sur la croix, en train d'être crucifié, malgré les biens qu'il a fait. Un Jésus qui a déjà vécu, il vous a fait de bien. Et puis, on l'a crucifié, les gens ont regretté, on le voit encore en train de se crucifier. C'est-à-dire quoi? Les Congolais sont en train d'essayer de refaire ce qu'ils ont fait avec Lumumba. Ce sont des Congolais, des complices. Ils se sont alignés aux intérêts étrangers pour assassiner Lumumba. On n'a pas tiré la leçon. On s'est allié aux intérêts étrangers pour assassiner Mzé Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, on a constaté que on s'aligne aux idées étrangères pour avoir la peau de Joseph Kabila. Tout le monde s'en rend compte que vraiment les Congolais sont en train de tourner. Mais est-ce que la parole va tourner, bien entendu, mais est-ce que c'est ce que vous dites, la répétition de l'histoire, Joachim Diana? Est-ce que ce n'est pas la quête du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas la logique de vouloir accéder au pouvoir à tout prix tout à et fait. Que tous les moyens sont bons pour y accéder? Pourquoi vous leur interdisez d'utiliser tous les moyens pour y accéder? Mais vous savez qu'en 1960, Lumumba a acquis le pouvoir légalement. Par les élections. Par des élections. Les élections organisées pas par la CENI où on aurait contesté, mais par les colonisateurs eux-mêmes. Il a gagné ces élections. Mais pourquoi on l'a assassiné? On a dit qu'il était communiste. Est-ce qu'on avait déjà exterminé tous les communistes américains, belges, français? Il dérangeait. Les communistes belges étaient là. Oui.